Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Grotte du Barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 286 et qu'est-ce qu'on va faire? On va customiser une paire de chaussures. Allez, c'est parti! Et oui, dans cet épisode, je vais prendre une paire de baskets Reebok en cuir noir de ma fille et tenter de le transformer en paire custom Dark, la série de Netflix. Après avoir enlevé les lacets, je vais préparer la surface en frottant légèrement avec du coton et un liquide préparateur qui contient de l'acétone et quelques autres produits chimiques. Comme tous les épisodes, vous pouvez retrouver la liste et des liens de tous les produits utilisés dans la description. Après avoir bien frotté toute la surface des deux chaussures, je vais commencer à masquer la semelle de la chaussure avec du scotch de masquage pour éviter que la peinture ne vienne crader tout ça. Je m'applique particulièrement sur la bordure pour éviter que la peinture ne vienne couler sous le scotch et souiller la semelle. La peinture que je vais utiliser ici est de l'Angelus, une acrylique spéciale pour le cuir que je vais diluer ici avec un adjuvant, le Too Thin, qui va le diluer pour lui permettre d'être utilisé avec mon aérographe. J'utilise donc mon aérographe pour masquer les logos Reebok sur le côté et l'arrière de la chaussure. Je nettoie tout de suite mon aérographe et je vais commencer à poser des masques découpés dans du vinyle qui représentent les trois dates de la série, 1953, 1986 et 2019. Après avoir posé les masques, j'utilise du scotch de masquage et de l'essuie-tout pour masquer tout le reste de la chaussure. Et je reproduis le même processus avec l'autre chaussure. D'abord pose des masques vinyle, scotchage et masquage, de tout le reste avec de l'essuie-tout. Ce processus prend beaucoup de temps mais est indispensable si on veut avoir un résultat correct. Maintenant je mixe du noir, l'adjuvant Too Thin pour le liquéfier un peu, et du blanc pour faire un gris sombre. Et j'asperge le tout avec mon aérographe avant de booster le temps de séchage avec le sèche-cheveux que j'ai piqué à ma fille pour pouvoir mettre une deuxième couche de gris, toujours à l'aérographe. Après avoir attendu que le gris soit bien sec, je peux enlever l'essuie-tout, le scotch et enfin les masques vinyle pour découvrir la première couche de ma tentative de Godass Custom. Et on le voit, tout ce travail de préparation paye. Le lettrage est nickel, la couleur sombre mais visible, j'adore. Lors de la définition du concept pour ces chaussures avec ma fille, un des éléments marquants de la série est clairement le ciré jaune de Jonas. Donc je prépare un endroit où mettre un gros bout de jaune pour rappeler le ciré, et donc comme précédemment, je masque l'emplacement. Et là, je décide d'y aller au pinceau avec du jaune, toujours de chez Angelus. J'enchaîne les différentes couches avec ici aussi l'utilisation du sèche-cheveux pour que ça aille plus vite, mais sur un fond noir c'est difficile, le jaune n'est pas aussi pétant que ce que je voudrais. Comme de toute façon je dois créer un dégradé noir vers jaune, je me décide à masquer la chaussure et finir le jaune à l'aérographe. Qui va nécessiter quand même 3 couches supplémentaires pour avoir le jaune que je veux. Maintenant que le jaune est posé, je mets mon dégradé noir sur le bas de l'emplacement.
Pour montrer le côté violent, j'utilise une brosse à dents et du rouge mélangé à du noir pour faire un effet éclaboussure de sang. Et on va pouvoir enlever le scotch et l'essuie-tout pour découvrir mon œuvre. Eh ben c'est super Burke. Les 20 millions de couches pour avoir le jaune pétant ont fait qu'il y a des coulures, des bavures, mais rien de bien dramatique, on va arranger tout ça. D'abord avec un coton-tige et de l'acétone, et pour les détails plus fins avec de la peinture noire et un pinceau. Maintenant que mes erreurs sont réparées, on va s'attaquer aux derniers éléments. D'abord le titre d'arc sur l'arrière des deux chaussures, ici aussi avec un masque vinyle. Et enfin sur chaque côté, le logo Netflix et le logo de la série. Et j'utilise toujours mon aérographe pour envoyer du blanc et du rouge sur les différents emplacements. Bon, ça a un peu bavouillé, mais je suis sûr qu'on va pouvoir arranger ça. Je commence donc par retoucher les bavures du titre, là aussi en utilisant de la peinture noire et un pinceau fin. Et m'occuper de la deuxième partie du logo Netflix. Pour le logo de la série, les retouches sont beaucoup plus compliquées, et je n'aime pas le rendu blanc sur fond noir. Trop violent, et surtout les lignes ne sont pas droites. Je suis pas du tout content de celui-là. Donc, je décide de l'effacer et de me concentrer sur les finitions sur les autres parties de la chaussure avant d'enlever le scotch qui protège la semelle. Il y a deux endroits où la peinture a un tout petit peu bavé, mais rien de dramatique, et je rectifie ça tout de suite. Quelques micro-retouches avant de passer deux couches d'un vernis acrylique mat souple pour protéger autant que faire se peut la peinture sur les chaussures. Et voilà, ma première paire de custom de la série Dark de Netflix pour ma fifille de 14 ans. Bon alors, je suis pas satisfait à 100%, mais je trouve que pour une première fois, c'est pas mal. Et ça me donne furieusement envie d'en faire d'autres avec d'autres chaussures et sur d'autres thèmes. En tout cas, la demoiselle a l'air d'apprécier, et c'est ça le principal. Bon alors, qu'est-ce que ça donne? Ouh. Une paire de chaussures, custom, dark, la série de Netflix pour ma fifille de 14 ans. Quelques remarques, bien évidemment. La première chose, je suis parti avec une base existante, c'est-à-dire c'est une paire de chaussures qui a déjà été portée. Et c'est pas spécialement la meilleure idée. Comme on le voit, en fait, après avoir été portée, il y a des déformations et on n'a pas le résultat optimal. J'ai fait avec ce que je pouvais. Alors idéalement, si vous voulez une base ultra saine, ce que je vous conseille, c'est d'acheter en particulier, c'est parce que c'est ce qui est utilisé pour plein de gens qui veulent customiser leur godasse, la Nike Air Force One Low,
Et c'est la deuxième remarque. La deuxième remarque, c'est partir avec une chaussure noire, c'est très bien, mais par contre, si vous voulez des couleurs qui flashent, ça va vous demander énormément de couches de peinture. Sur le jaune ici, qui est pas complètement parfait en plus si on a le nez dessus, ça m'a pris quoi ? 7, 8 couches de jaune pour avoir un jaune vraiment correct. Mais donc, partir sur une base noire, c'est intéressant si vous avez des couleurs sombres, comme par exemple ici, on voit le 2019 ou le 1953 qui est ici. Et comme vous l'avez vu, beaucoup de couches de peinture, ça veut dire aussi des bavures et donc des petites rectifications. La deuxième erreur que j'ai fait, c'est que ma zone, je l'ai délimitée en fait avec la couture. Et on voit en fait, certains bouts de peinture sont sous la couture, d'autres sont au-dessus. Et donc ça donne un rendu qui n'est pas complètement génial à 100%. On va parler un peu de la peinture, un tout petit peu. La peinture que j'utilise, c'est de l'Angelus. C'est une marque qui fait de la peinture spécifiquement justement pour le cuir, pour les chaussures. La spécificité, c'est qu'ils ont en stock en fait les couleurs officielles, en particulier pour les Nike et les Jordan, pour pouvoir restaurer en fait vos godasses. C'est relativement cher. Le petit pot de je sais plus combien de millilitres, c'est à peu près 7 balles. Il y a d'autres marques qui font aussi de la peinture acrylique pour peindre sur le cuir. Il y a Jacquard, je suis sûr qu'il y en a d'autres. Et je suis sûr que même de la peinture acrylique standard, ça doit marcher. Moi, je voulais en être sûr, donc j'ai investi un tout petit peu. Pour vous donner un ordre d'idée, les 5 couleurs plus le Too Thin et le décapant, ça m'a coûté 50 balles. Une autre chose, le distributeur officiel de Angelus en France, c'est Adam Montmartre. C'est donc une boutique qui vend des trucs d'art, et c'est les seuls à le vendre. Donc, je ne suis pas sponsorisé par eux, c'est pas de la pub, mais si vous voulez du Angelus en France, vous êtes obligé de passer par eux. Quelques autres petites remarques. Les masques, ça marche pas mal, sauf quand vous avez des petits détails. Pour les petits détails, c'est difficile d'utiliser un stencil, donc un masquage vinyle, et d'avoir un résultat propre. Comme vous l'avez vu, il y a toujours des coulures et toujours des petits trucs à droite à gauche. Et vous serez obligé de finir tous les petits détails à la main. Mon conseil, c'est d'investir, ce que j'ai pas fait, dans des pinceaux très fins de bonne qualité. Il y a eu un peu de dégradation sur, en fait, le fait de faire une première couche, poser du scotch de masquage et enlever le scotch de masquage. En enlevant le scotch de masquage, ça a enlevé une partie de la peinture qui était en dessous. Ça dérange pas ici parce qu'en fait, ça fait un côté un peu cradoc nanana. Mais si vous voulez avoir un résultat vraiment propre, je pense qu'il faut passer un coup de vernis entre chaque couche pour protéger en fait la couche précédente et éviter que quand vous enlevez le scotch, vous allez enlever de la peinture avec. Mais globalement, je suis plutôt super content du résultat. C'est ma première sneaker custom et je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Et moi, en tout cas, j'ai surkiffé faire ça. Ça m'a donné très très envie de faire d'autres godasses custom avec d'autres thèmes. Voilà, c'est à peu près tout. Un épisode un peu plus long puisque c'est un processus qui a pris un peu plus de temps que d'habitude. C'est pas juste une ou deux heures. Il y a bien 5-6 heures de boulot sur cette chaussure. Elle n'est pas nickel à 100%, mais moi je suis satisfait du résultat. Et pour une gamine de 14 ans, ce sera largement suffisant. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire, évidemment, tu t'abonnes. Tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbutipeurs qui tous les mois nous envoient un petit peu de pognon, ce qui nous permet de nous acheter du matériel comme par exemple la peinture Angelus pour faire des super chaussures custom et te proposer des épisodes encore plus géniaux. Un grand, grand merci à eux pour leur soutien. Voilà, c'est tout pour cet épisode 286 où j'ai customisé une paire de chaussures avec la thématique Dark Netflix. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.